D'où venez-vous? Tiens, vous parlez bien français. Vous parlez même bien français. Ce sont des questions que l'on me pose parfois. Oui, mais vous, vous n'êtes pas comme les autres. Les autres, c'est qui? Je m'appelle Fatima, je suis bruxelloise depuis 3 générations, je suis molenbeekoise et je suis fière de l'être. Je suis riche de toutes ces identités. Je suis fière et en même temps consciente des défis culturels, économiques et sociaux de ma ville. Je suis la fille d'une maman qui n'a jamais été à l'école et qui a toujours voulu que sa fille aille jusqu'au bout de ses études. Mon père, qui est ouvrier, voulait que je sois docteur. Aujourd'hui, ma maman n'est plus là, mais j'ai été jusqu'au bout de mes études. Et mon père, pour mon père, je suis aujourd'hui docteur. Bon, pas un docteur aux sciences médicales, mais en sciences politiques et sociales, c'est déjà pas mal. Il y a une question qui me taraude. Bruxelles, c'est la ville la plus cosmopolite d'Europe. C'est une ville qui est marquée par 1) sa diversité culturelle, 2) sa diversité linguistique et 3) sa diversité sociale. Dans cette ville contrastée, la question qui me taraude au jour le jour, c'est de me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre, pour rêver, pour faire et construire ensemble Bruxelles? C'est une question qui m'anime au quotidien. Bruxelles est ville diversifiée sur le plan culturel. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Levez la main. Qui a un parent né à l'étranger? Waouh! Regardez autour de vous. Ça, c'est Bruxelles. Bruxelles, c'est 74% de la population bruxelloise qui a une origine étrangère. Ça veut dire que c'est 3 Bruxellois sur 4 qui a un parent né à l'étranger. Bruxelles, c'est 184 nationalités des 4 coins du monde. Autre caractéristique de Bruxelles, sa diversité linguistique. Bruxelles, c'est 104 langues. D'ailleurs, il suffit de se promener dans les rues de la capitale, de prendre le métro, ou d'aller dans un marché pour que vous entendiez le français, le néerlandais, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'arabe, le turc, le swahili et même le riffin. Voilà la diversité. Bruxelles, diversité également sur le plan social. Parce qu'on est l'une des régions les plus riches d'Europe en termes de PIB, mais en même temps, 1 enfant sur 3 vit dans la pauvreté. Avec des contrastes où dans certains quartiers, le taux de chômage est de 7% et dans d'autres, il peut monter jusqu'à 30%. Et dans ce contexte, cette question toujours, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre, rêver, construire ensemble Bruxelles? Parce que c'est vrai, Bruxelles, elle est riche de sa diversité, on en est fiers, mais en réalité, quand on examine Bruxelles à la loupe, qu'est-ce qu'on constate? C'est que Bruxelles est un archipel composé de différentes îles qui sont des silos qui ne se croisent pas, qui ne se rencontrent pas. D'ailleurs, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous sont les plus proches. Posez-vous la question, vos 5 personnes les plus proches. Est-ce qu'elles reflètent cette diversité culturelle, linguistique et sociale de Bruxelles? La diversité. En réalité, elle nous concerne toutes et tous. On est tous porteurs d'identités multiples. Et aujourd'hui, la question des discriminations, elle n'est pas uniquement sur base de l'origine. Elle est aussi sur base de l'origine culturelle, mais aussi sur base de l'origine sociale. Mais elle se fait aussi sur base de l'âge, de l'état de santé, du handicap, du genre, de la monoparentalité, etc. etc. Ça veut dire que vous, ici, vous pouvez tous avoir des difficultés d'accès pour participer à la vie de la société parce que trop jeune, parce que trop âgé, parce que trop ceci, parce que trop cela. Et donc on est tous concernés par la diversité. Ce n'est pas une question qui concerne les personnes uniquement d'origine étrangère.
Alors la diversité, l'inclusion, on en parle souvent. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts? Werner Meyers disait que la diversité, c'est être invité à une fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. Ok. Cette distinction est intéressante, mais selon moi, elle n'est pas suffisante. Je plaide pour une inclusion radicale. Une inclusion radicale, ça veut dire qu'on n'est pas seulement invité à la fête, qu'on n'est pas seulement invité à danser à la fête. Une inclusion radicale, c'est participer également à l'organisation de la fête. C'est faire en sorte qu'autour de la table, on réfléchisse et qu'on soit attentif pour rendre cette fête plus inclusive, pour prêter attention aux sans-voix, à ceux qu'on ne voit pas, les invisibles de la société, ceux dont parfois on parle au nom d'eux sans même les avoir rencontrés. C'est ça l'inclusion radicale. L'inclusion radicale, c'est au-delà de cette métaphore autour de la fête, c'est de demander à un moment donné si dans mon projet, dans mon entreprise, dans mon organisation, dans mon média, est-ce que ça reflète la diversité de cette société-là? Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est le G1000. Donc, c'était une initiative où, quand la Belgique n'avait pas de gouvernement, on avait réuni 1000 citoyens tirés au sort. C'était une première. Mais très vite, il fallait faire attention que, dans les tirages au sort, on risquait de passer à côté de ceux qui n'avaient pas de mail, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, les sans-abri, les sans-papiers et tous ces invisibles. Et donc, comment réfléchir à l'avenir d'un pays si on ne tient pas compte de ce qu'on appelle les désaffiliés? Deuxième exemple, c'est le W100, une plateforme que j'ai créée il y a 3 ans. Et là, l'idée, c'est de créer un espace délibératif avec 100 femmes leaders de changement. 100 femmes leaders de changement, ce n'est pas uniquement des CEO, des directrices ou des managers. Non, c'est 100 femmes qui sont actrices de changement à Bruxelles, chacune à son niveau. Ça peut être la maman qui aide les réfugiés dans son quartier, celle qui prépare des sandwichs, celle qui gère une boîte, qu'importe. C'est celle qui a décidé de prendre sa vie en main pour apporter du changement à Bruxelles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à Bruxelles, on manquait cruellement d'espace, d'échange, des partages, pour faire en sorte que ces gens-là se rencontrent et pour créer de l'impact et de la synergie. C'est ça l'inclusion radicale. Pareil au niveau de l'entreprise, j'ai la chance de gérer un service où, à compétences égales, on a une équipe qui est diversifiée et ça nous permet nous-mêmes d'aller au-delà de nos biais inconscients. Parce qu'en fait, on a tous quelque chose qui ne se montre pas sur un CV, c'est notre expertise du vécu. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on valorise. Une approche radicale, c'est ça aussi. Dans ces 3 exemples, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse impliquer dès le départ les personnes à qui on veut s'adresser. Parce que si on ne le fait pas, on passe à côté. L'inclusion radicale, ce n'est pas une case à cocher. Ce n'est pas cosmétique. C'est beaucoup plus que ça. C'est de faire en sorte qu'on puisse participer à l'organisation de la fête, mais c'est aussi, comme disait Gandhi, ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Je répète, ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. À partir du moment où on comprend cette phrase, on se rend compte que c'est plus possible de continuer sans nous, sans les sans-voix, sans les personnes qu'on n'entend pas. Il faut faire en sorte que ici, chacun et chacune d'entre nous, on soit attentif dans des projets, on soit attentif quand on lit le journal, qu'on n'a que des chroniqueurs ou des journalistes de la même origine ou de la même couleur, qu'on puisse aussi avoir de la diversité. Que quand on va à l'école et que dans l'association de parents, on n'a que les parents qui ont un diplôme de l'école de la haute école ou de l'université, ben, qu'ils soient présents. C'est en fait une grille de lecture, ce sont des nouvelles lunettes. Et donc, je vous appelle, ici, chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous, pour un mouvement d'inclusion radicale, pour faire en sorte que les projets prennent en considération les concernés. Et si la porte est fermée, on rentre par la fenêtre. Il faut faire en sorte que Bruxelles ne soit plus cet archipel,
Il faut que cette ville soit radicalement inclusive et je vous promets, elle en sera plus belle. C'est notre responsabilité et c'est à nous de jouer. Je vous remercie.